Fuyant la guerre qui ravage leur pays de peur de perdre leur vie, la famille Casagrande arrive pour se réfugier à Cuisa. Je vais vous léguer ce coffre qui vous permettra de voyager quand vous aurez de la peine. Il contient un livre avec des énigmes et deux objets magiques. Je vais vous servir du borscht, le plat préféré de vos ancêtres. Ça vous fera grandir. Quelques jours après, la grand-mère meurt de fatigue suite au long voyage. Elle rejoint le pays de ses ancêtres, comme le dit la tradition. Ce livre est bien mystérieux. Écoute, il y a plein d'énigmes à résoudre. Il y en a une qui parle d'un miroir qui ressemble à celui-là. Ben, vas-y, dis-la moi. Le livre indique le moyen de passer dans le monde d'Arcadia. Il faut tendre devant le miroir le fruit qui symbolise la connaissance. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ben, une pomme. Je l'ai vue dans le salon. On essaie de voir si ça marche? Ouais. Attends. Au cas où. Il y a tout ce qu'on souhaite ici. Ouais, tout ce qu'on a dû laisser à la maison. Bonjour les enfants, je vous attendais. Je suis la reine d'Arcadia. Avez-vous faim? Le buffet est à votre disposition et je peux vous héberger quelques nuits. Venez me voir, je suis à côté de votre chambre, je ne vais pas vous manger. Approchez-vous de moi. J'ai eu un accident, je ne peux pas marcher. Je suis si contente de vous voir, enfin là. Je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Restez me tenir compagnie quelque temps. Ok. Juste pour une nuit pour commencer. C'est vraiment bizarre ici. Oui, on manque de rien. C'est comme dans un rêve. Tu es réveillée? Qu'est-ce que tu peux être naïve, mon pauvre?
Il est temps de vous réveiller, vous êtes dans un paradis artificiel issu de votre imaginaire. Méfiez-vous de la reine, elle n'est pas ce qu'elle pourrait être. Elle est hypocrite, elle est souvent cruelle avec ses sujets qui ont tous disparu. Elle ne pourra jamais vous donner l'amour de votre mère. Mais qui êtes-vous ? Je suis le sage de la forêt, je suis là depuis des millénaires. Les enfants ! Les enfants ? Mais où est-ce qu'ils sont ? Ils sont pas là ? Mais ils sont allés quelque part ? Calme-toi, il doit avoir une explication à ce problème. Attends, s'ils sont pas là, c'est forcément qu'ils sont allés. On dirait que le miroir reflète quelque chose. En regardant dans le miroir, ils voient leurs enfants souriant et leur parlent. Les enfants disent qu'ils veulent rester dans ce monde où tout est mieux que dans leur monde en guerre. Bonjour les enfants. Je vous ai préparé un borscht, votre plat préféré. Je voudrais qu'on le mange ensemble. Mais on a promis à la reine de rester encore un jour. Vous dites ça tous les jours, ça commence à bien faire. Mais on peut pas, on est prisonnier. Est-ce que vous avez enfin compris ce que j'essaye de vous dire ? Bah oui, la reine elle nous garde en prison ici. Oui, une belle prison dorée et toi tu ne te doutais de rien. Il y a bien moyen de partir, je vous le dis si vous me faites une promesse. Dites-nous laquelle ? Je veux que vous plantiez une de mes graines dans le monde réel et une très belle chose en résultera pour tous. Il faudra arroser cette graine avec l'eau contenue dans la fiole trouvée dans le coffre de votre grand-mère. Vous pourrez revenir en agitant la clochette magique qui permet de se téléporter où l'on veut aller. Enfin de retour, votre mère pensait plus vous revoir. Je suis si heureuse. La reine nous donnait tout ce qu'on voulait, mais pas de l'amour. On restait toute la journée avec des objets inutiles. J'avais tellement envie de remanger un borscht. Comme il me l'avait promis, il plante ma graine, l'arrose avec la fiole. 7 jours après, je renaissais. Vous n'avez plus besoin de cette magie. Il vous faut comprendre maintenant le cycle de la vie. Je vais vous permettre de communiquer avec votre grand-mère, qui est maintenant dans un autre espace-temps. Mes chers enfants, c'est un plaisir de vous revoir. Vous avez bien grandi. Bravo, vous avez réussi l'épreuve. Vous avez appris à écouter la nature et votre cœur. Maintenant, je vais faire en sorte de vous protéger. Quand vous aurez des problèmes, je serai là. Si vous pensez à moi au fond de votre cœur. Restez en paix malgré la guerre. Chaque semaine, la famille Casagrande organise un repas à mes pieds. Ils invitent tous leurs voisins avec qui ils cultivent un jardin partagé. Et à chaque fois, ils finissent la soirée en racontant des contes, tous les pays, de belles histoires qui parlent de notre humanité blessée, mais toujours debout et digne malgré la guerre éternelle.